beauté. On a interdit les concours de Minimis. C'est peut-être mieux pour l'ego de Mimimati. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie ». Bonsoir. C'est pas Hollande qui disait qu'il comptait sur une défaite de Merkel aux législatives ? Oui. Putain de visionnaire, hein ? Raté. Quand il se retira de la politique, il pourra toujours faire l'horoscope sur RTL. Tu sais, c'est un truc. Oui, Merkel a bien gagné. Bon, c'est un triomphe, mais ça n'a pas été le faste non plus, quoi. Les Boches, c'est plus ce que c'était. C'est pas... Pas de parade sur les champs, personne rue Lauriston, je me sentais bien seul au Lutetia. C'est... À propos de guerre, hey, Patoche, enfin, pardon, monsieur Mellucci, ça n'a pas été trop dur de traverser les checkpoints que tiennent les chebabs des quartiers nord de Marseille pour... Non, parce que c'est fou, hein, en 3 heures TGV, Paris-Marseille, t'es en zone libre, enfin, ça doit faire quelque chose de... C'est pas... En tout cas, pour votre demande de tout à l'heure en coulisses, il n'y a pas de problème, je vais signer votre gilet pare-balles, il n'y a pas de... Ah, Marseille, pff, on a parlé de Marseille. Marseille. Ah, Marseille. Ville de tous les excès. Marseille, vous le savez, c'est cette mosaïque de diversité, de différences, de non-similitudes, d'antithèses, de contradictions, de disparités, de disproportions, de dissemblances, de dissimilitudes, de distances, de distinctions, d'écarts, d'hétérogénéité, d'incompatibilité, d'inégalité, de nuances, de variétés. Et là, s'arrête mon dictionnaire des synonymes. Emploi. Alors, il paraît que l'inversion de la courbe du chômage est en train de se produire. C'est grâce aux emplois jeunes. Mais c'est une très bonne idée. Alors moi, je suis allé sur le site des emplois jeunes. Il y a des témoignages extraordinaires. C'est aussi un travail de journaliste. Hein. C'est pas que de la bouffonnerie. Hein. Il y a... Attention. Hein. Témoignage de Cindy. Après plusieurs missions de nettoyage, la mission locale lui propose une formation MHL, maintenance et hygiène des locaux, suivie d'une formation SST. Sauveur, secouriste du travail. C'est vachement bien. Surtout qu'une fois que tu as les deux diplômes, tu peux fusionner les formations MHL et SST pour obtenir un diplôme MST. Autre exemple, parce qu'il y a plusieurs emplois. Il n'y a pas qu'un... Bah bien sûr, bien entendu. Alors, Jean, on va prendre un nom d'emprunt. Après une semaine d'essai au sein de la mairie, Jean a fait l'unanimité et signe son contrat dans la foulée. Elle a ainsi déjà participé à plusieurs formations, l'une sur le fonctionnement des collectivités locales et l'autre sur le classement des emails. Ah. Le classement des emails, c'est un métier d'avenir considérable. Attention, c'est que le début. On prévoit aussi des métiers comme éboueur de corbeille Windows, redémarreur de PC, manutentionnaire de la touche Caps Lock. C'est sur PC, hein, parce que sur Mac, c'est une autre formation. Alors, il n'y a pas que ça. Ce qui compte aussi, c'est des métiers d'avenir liés à la sensibilisation aux éco-gestes, animations, conseils. C'est des choses extraordinaires. Alors, tout ça, c'est vrai. Hein. Mmh. Ambassadeur des économies d'eau. Aquaticien. Il y a aussi ambassadeur de la prévention des déchets. C'est-à-dire, tu ouvres une représentation dans un local poubelle et puis tu... Je sais pas, c'est pas moi. Hein. Alors j'attends encore le grand chambellan du plumeau électrostatique ou le ministre délégué aux traces calcaires. Enfin, c'est très... Enfin, Michel Sapin, il devrait pas faire ministre de l'Emploi, mais chef de file des nouveaux poètes, quoi. C'est pas le successeur de DSK, mais de Salvador Dalí, cet homme-là. Enfin... Rome Mania. Ah. Oui, en ce moment, les Roms, t'as l'impression que c'est les Spice Girls. Les Roms qui sont pourtant très utiles à la France, contrairement à tout... C'est insupportable. C'est insupportable. Ils soulignent les gaspillages de France Télévisions. Oui. Bah oui, pourquoi laisser Frédéric Lopez emmener des acteurs à l'autre bout de la Terre avec des moyens considérables, alors qu'il suffit de passer la porte de la chapelle pour vivre une aventure humaine hors du commun. Bon. Plutôt que de voir Zabou chez les Inuits du détroit de Bering, ne rêve-t-on pas de voir Jean Roucas chez les Roms de la Bretelle de Sarcelles? Oui. Mais bon, il faut que les Roms restent lucides. Hein. Cet engouement, c'est provisoire. C'est un effet de mode, ça peut pas durer. Hein. C'est fragile. Hein. Roms, sachez une chose, vous n'allez pas vivre longtemps sur vos acquis et vos privilèges. Après, Valls a dérapé, c'est sûr. Il a dit, les Roms ont vocation à rester en Roumanie ou en Bulgarie. Alors, déjà leur dire de partir, c'est pas facile. Mais en plus, les humilier en leur expliquant qu'ils ne méritent pas mieux que le Bangladesh européen... Psychologie.
Message d'espoir pour toutes les familles qui ont un proche dans une secte. Avec de la volonté, on peut s'en sortir. Merci à toi pour cette leçon de courage, Noël, ma mère. Communication. Matignon a recruté une conseillère en communication pour Madame Hérault. Alors, ça commence à porter ses fruits. Il paraît qu'elle est très à l'aise avec la méthode syllabique. Amour. Alors, un yéménite est mort après avoir bouffé 5 pilules de Viagra alors qu'il se préparait pour sa nuit de noces. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. On l'a retrouvé mort sous ce que l'on croyait être une tente. Et dans la même veine, un Colombien de 66 ans a été amputé de la verge car il avait surdosé le Viagra. Oh là là. Ouais. Érection qui a duré 5 jours, boum la gangrène. Alors, tout n'est pas perdu puisqu'avec la peau abandonnée par l'homme, on pourra reconstituer l'organe de la femme. Ah. Parce que 5 jours, enfin voilà quoi. Beauté. On a interdit les concours de Minimis. C'est peut-être mieux pour l'ego de Mimimati. Musique. Patrick Bruel sifflé et hué par 35 000 personnes lors de l'inauguration d'un nouveau stade à Nice, ce qui enlève quelques préjugés sur les Niçois. Ils ont peut-être la gâchette facile, mais au moins c'est des mélomanes. Alors une bonne nouvelle de la semaine peut-être, on vient de trouver une tonne 3 de cocaïne dans un avion à Paris. Malgré ce coup dur, saluons le courage des organisateurs d'avoir pu tout de même maintenir la Fashion Week. Alors, pas belle la vie ? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.